Le but du jeu est simple. Le jeu, c'est pour Mina. Attends, je cherche la page 2. Tout pour moi. Oh, ça va. C'est quoi ces propositions? En fait, explique la règle du tu préfères. Fabien, putain, bordel, sois au taquet. Bah oui, mais tu me dis la règle du tu préfères. Ah oui, donc deux propositions. Et tu dois dire. Et laquelle des deux tu préfères, en fait. Voilà. Voilà. D'accord. Voilà, c'est tout simple. C'est un jeu très, voilà. Ouais. Très simple. Ok. Donc, je te donne deux propositions, tu choisis celle que tu préfères. Mike Angelo ou Rocco Siffredi? Rocco Siffredi. Ah oui, moi pareil. Ah, tu connais Mike Angelo? Non, je vois pas qui c'est Mike Angelo. Ah bah c'est pour ça que t'as choisi Rocco. Non, mais tu ne joues pas, Fabien. Non, mais il peut participer. Tu ne joues pas. Ouais, entre filles, Mandingo, vous pouvez participer. Mandingo. Tu préfères, Mina, avoir un 95D siliconé ou un 110F naturel? Un 110F naturel. Fabien, tu vas en faire un? Allez, ouais. Ok. Tu préfères faire l'amour amoureusement avec ton mec ou bestialement avec deux acteurs? Bestialement avec deux acteurs, parce que j'ai pas de mec en ce moment. Mina, t'aurais dit quoi? J'ai choisi les acteurs. Avec mon mec. Ok. Je vais te la faire à toi, Fabien, celle-là est dégueulasse. Ah bah, c'est quoi? Tu préfères quoi? Lécher la barre du métro ou faire la bise à un crocodile? Y'a aucune logique. Hein. Bah, le crocodile. Ah ouais, moi personnellement, j'en choisis la deux aussi. Hein. Ouais. Parce que franchement, le métro, non, il y a trop de. Ouais. Mais vous êtes conscient ce qu'est un crocodile, mec? Oui, mais quand il dort, le crocodile, quand non, il dort, mais... tu vois. Ou alors tu le drogues un petit on peu. On s'en fout, on va pas le faire, donc clair. On préfère, voilà, c'est pas grave. Voilà, c'est on va savoir. La semaine prochaine, il me ramène un croco. Un petit caïman. Haribo. Voilà. Oh putain. Ah ouais, celui-là, ils sont. Sauver, Mina, tu préfères sauver tous les pauvres dans le monde ou vivre éternellement? Ah! Le blanc, c'est bon, on a compris la réponse. Non, sauver tous les pauvres dans le monde. Ok, bien sûr. Fabien, tu préfères mourir par un requin ou par un tigre blanc? C'est une question, bah, c'est une question de merde. Ouais, ouais, bah, un tigre blanc, parce que c'est requin. Classe, hein. Ouais. Non, c'est plus classe, un tigre blanc. Ouais, ouais, mais requin en plus, c'est une noyée. T'as moins mal, en plus, c'est une requin, t'as moins mal. C'est une espèce t'as moins mal, en requin. D'extinction. Non, mais je préfère un tigre blanc parce qu'en plus, les tigres, j'aime bien moi les tigres. Quand il te mord, t'as un anesthésiant. Souvent, les mecs là, qui font. Ah, bah, j'ai pas essayé, moi, je sais pas. T'as essayé, bon, pas vraiment. Putain. Bah, demain, il va te ramener un tigre. Voilà. Mina, tu préfères quoi? Faire un French kiss à Fabien ou rouler une pelle à Ophélie? Rouler une pelle à Ophélie. On va pas j'ai te pas dit oui hein. Non non mais c'est tu préfères, elle est pas obligée, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est ce qu'elle préfère. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Mina, tu préfères Clara Morgan ou Delphine Delage? Clara Morgan. Tu connais Delphine? Non. C'est une ancienne du voilà. Et pour finir, tu préfères faire de la radio avec nous ou aller te coucher immédiatement? Aller faire de la radio avec vous. Bon, ok, ça va. J'ai des questions auditeurs qui nous ont demandé, qui t'ont posé des questions. Est-ce que t'es prêt à répondre à tout le monde? C'est pour toi, hein, Mina. Ah, ok. On est toujours sur toi, t'es arrivé en dernière, il reste plus des trucs pour toi. Ok, c'est bon. Question de Sexy Girl, 32 ans. Que faisais-tu avant le X? Donc avant le X, je faisais des études de médecine et du striptease la nuit. Ok, alors on sait pas qui c'est, il y a triple X, 18 ans. Où te vois-tu? C'est un pseudo, hein, de toute façon. Où te vois-tu dans 10 ans? Waouh, 10 ans c'est super large. Tu rebondis pas, Fabien, ça m'étonne. Oh, j'écoute, j'ai tout ouï. Parce que nous on sera morts, nous deux, dans 10 ans. Oh, oh les anciens. Pas mal, quand même. On rigole. Bah non, t'es pas vieux. À quel âge, Fabien? Bah non, j'ai 28 ans. Ouais, c'est ça, il 38, ah, ça il a 28 ans depuis. Ouais. Depuis sur internet. Voilà. Élise, 24 ans, le X s'arrête pour toi que. Oh, il m'énerve. Le X s'arrête, que comptes-tu faire? Si le X s'arrête, acheter un restaurant. C'est vrai? Ouais. Ça peut être sympa aussi. Mmh. On l'a dit en début du coup, excuse-moi, Julia, tu nous as pas dit ce que où tu dois dans 10 ans. Hein. Mais parce que c'est pas assez large, elle a dit. Ouais, c'est pas une réponse. Non, j'ai beaucoup de projets. Maintenant, dans 10 ans, je sais pas où en seront mes projets. Donc voilà. Ouais. Ok. Pourquoi avoir commencé le X? Alors le X c'était un peu une passion depuis mon adolescence. Ouais. Donc dès que moi j'ai pu en faire, hein, okay. Ben je l'ai fait. J'ai contacté Marc Dorcel quoi. Ah bah, Marc Dorcel direct. Ouais direct. Océane qui te demande quel est ton plus gros fantasme.
Ah, je sais pas si je peux en parler. Oh, vu l'heure, si tu veux, fais comme chez toi. Alors, en réalité, j'aimerais bien me faire longer. Te faire quoi? Langer. Alors même pas bien. J'ai pas compris. Ouais, vas-y, définition. Ben avec des couches quoi, comme un bébé. Ah ouais, c'est original. Ouais. Ouais. Et quel fantasme as-tu déjà réalisé, mais qui était le meilleur pour toi? Bah donc faire du X. Ouais. Ah ouais, tout simplement. Je suis très exhibitionniste dans la vie de tous les jours. Ok. Mm. Est-ce que quelqu'un a des questions pour Mina, tant qu'on dirait? Non, moi je voulais juste savoir, tes parents, ils l'ont pris comment? Alors on va pas se le cacher. Ils ont pris qui? C'est copine. Dis donc. On va pas se le cacher, au début c'était assez compliqué, maintenant c'était l'amour... dur, on peut le dire. Oui. Maintenant c'est l'amour a pris dessus, après c'est normal que les parents le prennent mal. J'étais jeune hein, quand même, 21 ans. Non mais j'ai commencé à 19 ans du coup. Ouais. Et du coup maintenant est-ce qu'ils regardent tes films ou pas? Ah, quand même pas, mes parents sont pas fous. T'imagines? Ça fait combien de films? Est-ce que tu gagnes attends, une question à la fois les gars. Je gagne pas ma vie avec le X. Voilà, c'est ça reste. Pourquoi une passion. Pourquoi t'en fais, l'autre? Ça reste une passion pour moi. Histoire tu fais de bien l'occuper. De la radio, toi, t'es pas payé. Dis donc, je parle. Excusez-moi, patronne. Moi, j'en gagne de mon métier. Tu rigoles ou pas? Bah oui. Et donc, voilà. C'est une passion. Ouais. Fabien l'instant. Avait une question pour toi. Ouais, combien de films t'as fait en... Combien de films as-tu à ton actif? Ouh, alors là. Je saurais pas te dire en fait. Ouais, ouais, parce que ça se compte déjà, en scène du oui, coup. Oui, ça se compte en scène, c'est ouais. ça. Bah ouais, forcément. Ouais. On a fait le tour de l'interrogatoire ou quelqu'un a une autre question? T'as déjà tourné avec Rocco Siffredi? Non, je n'ai jamais tourné avec Rocco Siffredi. Il a arrêté avant, je pense. Non, il n'a pas arrêté, Rocco. Il continue. Il fait toujours du porno? Oui. Ah, je croyais qu'il avait arrêté, moi, qu'il était juste réalisateur maintenant. Non, il réalise aussi, mais il continue. Ouais, il est réalisateur. C'est bon? Interrogatoire fini? C'est bon. Bon allez, on marque une dernière pause musicale. On a Shakira à faire bosser. Et écoute, alors tu sais quoi, qu'est-ce que tu veux écouter mon Fabien? Pour une fois je te demande et tu vraiment. Fatal Bazooka. C'est vrai, tu veux Fatal Bazooka? Non, je plaisante, j'ai tout viré. Peux plus de Fatal Bazooka. Non mais c'est vrai, j'ai du Fatal Bazooka. Oui, mais non, ça va. Ce matin va être une pure soirée. J'ai quoi? J'adore. Qui c'est qui a dit j'adore? C'est moi. C'est vrai? Ah mais Fatal Bazooka, moi j'adore. Eh bah je te la mets. Mina, je peux lui mettre ou pas? Oui, enfin je t'en prie. Allez, on s'écoute, ce matin va être une pure soirée et on revient juste après. Celle-là. Bah désolé.